D'accord, il y a des raccourcis. Là, je viens de lancer la VOD, donc, et ça me met des petits raccourcis, voilà. Donc, petite VOD sur mon petit serveur en feed de Patreon, en feed de Beast. Donc, un serveur Minecraft modé. Pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis la création. Donc là, j'ai créé cette petite cascade avec cette espèce de rivière. Bon, c'est pas très bien modélisé, moi, tout ce qui est côté naturel, je suis pas très doué. Mais dans l'ensemble, je trouve ça pas mal. Là, on arrive sur un petit lac qui va se déverser là-bas au bout. Et après, j'ai pas fini. Là, on voit qu'il y a encore de la cobble, pareil au fond. Il va falloir que je remplace tout ça. Sinon, j'ai fait quoi? Donc, j'ai fini ma forge The Tinker Construct. Ça, on l'avait vu sur ma map en solo. Et grâce à ça, j'ai pu faire donc une pioche en allumite. Je me suis un petit peu renseigné aussi sur les différents upgrades. Donc là, on peut voir que j'ai mis 50 minerais de redstone qui permet d'avoir la hâte. Ça me fait monter à 12 au lieu de 8, je crois. Donc ça va quand même un petit peu plus vite pour miner. Auto-repair, j'ai mis de la. En fait, il suffit de prendre 9 mostones, donc c'est la pierre moussue qu'on trouve dans les donjons, on peut aussi en trouver en extérieur, qui permet de faire de la mousse, je crois qu'il m'en reste. Voilà, ici, la balle of mousse, on met ça sur. On met ça sur le. Sur la pioche, et du coup, ça permet voilà, d'avoir un auto-repair. Et là, ce qui me manquait, je voulais mettre, voilà, c'est un petit diamant. Comment ça se fait que j'ai un diamant ici? Voilà. Et en fait, ça va me permettre d'augmenter la durabilité. Donc on va, pour ça, on va directement dans la table ici. On vérifie que c'est bien sur l'enclume. Là, je mets ça. Je mets mon petit diamant ici. Et là, vous voyez que au lieu de 650 sur 900, je passe à 1100 sur 1400, donc ça augmente de, je sais plus, bah plus 500, voilà. Donc on va l'utiliser, voilà. Et là, j'ai, je crois que j'ai utilisé mes 3 upgrades, voilà. J'ai 3 modifieurs. Alors, je peux en rajouter si je veux. Malheureusement, bah, j'ai pas utilisé les meilleurs outils. Et là, on voit que la pioche, le design a changé. Hein. Bah, déjà, le design est limite de base, il est tout rose, avec le manche en bronze. Bah, c'est un peu comme celui-là, d'ailleurs. Celui-là, j'ai pas mis de modifier parce que je l'utilise très peu. On voit qu'il est, il est encore pas mal au niveau de la durabilité. L'épée, c'est un petit peu pareil. Ah si, voilà, on voit qu'il y a 3 modifiers sur celle-là. Sauf que l'épée, j'ai pas envie de la changer tout de suite. J'aimerais bien trouver de quoi faire du manilium, ce qui est le meilleur alliage du mode, en tout cas. Après, du jeu, j'en sais rien. Le problème, c'est que je suis allé dans le Nether, j'ai trouvé qu'un seul minerai de cobalt. Alors que le l'ardite, j'en ai trouvé pas mal. Le minerai, c'est là. Voilà, l'ardite, j'en ai trouvé 6. Et le cobalt, j'en ai trouvé qu'un seul. Pourtant, j'ai passé pas mal de temps. J'ai fait une forteresse. Je trouvais pas mal de trucs aussi. Tu aurais une émeraude et 3 ors, s'il te plaît. Oui. Oui, je les ai. Alors, par contre, le diamant, il est où? Ah, il est peut-être dans mon sac à dos, parce que je me suis fait un petit sac à dos aussi. Voilà, qui est là. Voilà, c'est qu'ils m'ont encore dépouillé, c'est saligo. Ok, il est parti chez moi, donc je vais pouvoir lui enlever son coffre. Voilà, retire. Ouais, il me manque des diamants. Il est à dire. C'est bizarre. Enfin bon, c'est pas très grave en soi, puisque les diamants. Quoique. Quoique. Quoique, je sais plus. Voilà, et là aussi, donc ça, c'est Zar qui m'a montré pour faire le. Alors, ça, c'est une turtle. Donc, en gros, c'est avec ComputerCraft. On a un espèce de. On a une espèce d'invite de commande et il suffit de taper un programme. Bon là il attend pour le carburant qu'on va lui donner. Et en fait, je lui ai demandé de creuser une zone de 40 par 40. Donc là on voit qu'il a quasiment fini. D'ailleurs on va aller check. Alors ça pour vérifier, j'ai commencé à faire un escalier ici. Pendant qu'on voit que
Notre père Vladimus est là. Alors le problème, voilà, c'est que j'ai empiété sur son passage à lui. Et en fait, voilà, donc là, on voit que je suis quasiment au bout. En fait, quand ce niveau-là, il sera au même niveau que lui, ben, je sais que ça fera 40 blocs. Et là, on voit qu'il y a le gros squat au niveau des mobs. Qui est normal hein, puisque c'est tout sombre et ici je sais pas, je pense que je ferai un truc de quoi faut la vider, comment ça faut la vider, ah oui non faut la vider évidemment, il parlait hein, de quoi tiens, enfin, on a tous des jus de fruits, c'est marrant, voilà. D'ailleurs, je crois que mon armure est quasiment morte. Hein. Ouais, il va falloir que je pense à m'en refaire une. Alors là, on a beaucoup d'Enderman. Je pense les affronter tout de suite. Le mieux, ce serait que je me fasse... Je rembourse les diams, mais en double. Pas de soucis. Je vais leur dire si vous trouvez... Si vous trouvez du cobalt. Ça m'a... On n'est pas vu. On va savoir aussi que au niveau du Nether, j'ai pas mal galéré parce qu'on est tombé. On est tombé à la couche 7 au niveau du portail. Du coup, j'ai dû abuser de mes droits de téléportation pour créer un portail. En fait, je me suis téléporté dans le Nether sur une couche plus haute. Ensuite, j'ai creusé jusqu'à trouver une plateforme. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un nouveau portail dans le Nether qui m'a TP à un autre endroit. Et en fait, il a suffi que je détruise les deux portails originaux des deux endroits, enfin du Nether et de l'Overworld, pour que le portail que j'ai fait là tout en bas, j'ai mis un portail tout dans la couche, la couche 11. De quoi derrière moi ? Ah merci. J'ai mis un portail donc à la couche 11 qui permet d'aller directement donc au bon endroit du Nether. Au moins qu'on puisse aller en extérieur, donc voilà, j'ai dû faire une TP, donc j'avoue c'est un peu cheat. Ça j'ai dit que j'allais éviter, hein, j'ai dit aux gens, mais là pour le coup du Nether, le fait de tomber sous terre, j'ai essayé de creuser, j'ai passé pendant presque une demi-heure à essayer de remonter, à chaque fois je tombais sur de la lave, du coup j'ai dit qu'on laisse tomber. On va créer un nouveau portail, un nouveau lien vers le Nether. En plus on n'est pas loin d'une forteresse, je crois que juste derrière le portail il y a une forteresse que j'ai pas mal exploré déjà, il y a juste les Blaze que je n'ai pas affronté. Là on va vider tout ça. Voilà. Et puis voilà. Ah du coup là il m'a tout vidé mais j'avais plus de place. Donc ouais, aussi voilà, grâce au barrel on voit que j'ai 20 000 sur 28 000 items. Donc ça c'est cool. Voilà. Le barrel qui permet de stocker énormément. Bon, lui, je l'ai upgradé pas mal. Pour justement qu'il puisse contenir plus. Que sinon, c'est que 4087 pour les. 4000, pardon, 96. Donc, vous pouvez le voir. Alors, on va prendre aussi la terre. Le gravier. Alors, là, le problème, c'est que pour la limestone, le granit et le marbre, j'ai presque plus de place. Donc ça, il va falloir que je trouve une solution, sachant que ce soir, je vais essayer de miner avec une query. Donc query, c'est un item, il suffit qu'on lui fournisse de l'énergie et il va miner tout autour d'une zone définie. Donc je vais le mettre à la couche 11 directement. Après, on peut aussi faire des marqueurs pour augmenter sa zone, mais déjà, on va le faire miner sur sa zone de base. Et on verra bien ce que ça va donner. On a fait une query. Non mais moi j'en ai une, hein, y a pas de souci. J'en ai une, elle est là, voilà. J'avais même fait un pulvériseur. Et ça, le pulvériseur, je pensais justement le mettre dans la zone de 40 par 40 blocs. Je pensais me faire tout un dédale de petits couloirs avec plusieurs ateliers. Notamment un où j'aurai donc mes trucs de four. La forge, peut-être que je la déplacerai aussi là-bas en bas. Je sais pas trop en fait, parce que la forge, c'est vrai que ça reste assez sympa à laisser dans le décor. Ici, il me manque quoi ? Il me manque
une ferme à blé et je voulais faire voilà une ferme à poulet ici pour avoir masse plume. Mais sinon voilà, dans un premier temps. Je sais plus ce que je voulais faire. Alors, du coup on va voir pour les générateurs. Pour les générateurs. Non, c'est pas dans Extra Utility que je voulais aller, c'est dans Buildcraft. On a un Combustion Engine, Sterling, Redstone Engine. Alors, Redstone Engine, je crois qu'il est pas très puissant. Il faut quoi? Un piston, Stained Blast, Wood Gear. Ah, je vais demander quand même. Parce que j'avais vu un tuto comme quoi l'engine en redstone ça suffit pas. Par contre, pour le pulvériseur il faut beaucoup moins d'énergie. Mais comment ça les générateurs marchent pas sur la query? Attends, j'ai vu un article sur internet comme quoi ça marchait. De toute façon il faut de la, il faut je crois 20 000. Tes générateurs marchent pas. Quoi mes générateurs? Mais j'ai pas de générateur. Qu'est-ce que tu racontes? La Steam Dynamo, ok. Donc on va faire une Steam Dynamo. Très bien. Donc on va se faire une Steam Dynamo. Sinon je crois qu'au niveau du récap... Ah oui, je vous ai pas montré aussi. J'ai fait des fours du Nether. Parce que dans le Nether on peut trouver du minerai. C'est là-bas d'ailleurs que j'ai trouvé du diamant et de l'émeraude. D'ailleurs je sais pas s'il me l'a pris l'émeraude. Non. Ça on va le ranger. On voit que j'ai trouvé énormément de machins. 3 pour que ça marche. Ouais, mais je crois qu'il faut mettre de l'eau. Il y avait un délire comme ça où il fallait de l'eau. D'ailleurs, on va dormir. Il y a trop de mobs. Ça, on verra pour la lumière un petit peu plus tard. Je pense qu'il y a des mods qui permettent justement, en mettant 2-3 lampes, de pouvoir éclairer directement les chaque chunk. Enfin, j'avais vu ça, j'ai vu ça dans l'amphi de Trutuc, donc... on verra ça plus tard. Ce serait pouvoir, pouvoir aussi rester la nuit, ça peut être pas mal. Mais bon, on n'en est pas encore là. Donc je vais regarder sa Steam Dynamo. Alors. Ça doit être dans Buildcraft aussi, je pense. Donc la Steam Dynamo, elle est où? Elle est là. Alors il faut 2 trucs en cuivre, 3 copper, la redstone et... En fait, il faut que du cuivre et la redstone. Ah oui, il faut un silver. Ok, donc je vais chercher tout ça. Alors on a dit du cuivre, de l'or et de la redstone. Alors de l'or, du cuivre, de la redstone. Voilà. Ah, vous voyez que j'ai énormément de minerais, ça c'est grâce au... Grâce à mon... à ma turtle. Qui est d'ailleurs... n'a toujours pas de carburant. Ah, il n'y a plus de charbon. Si j'en avais, je crois. Normalement, normalement il m'en restait un peu, je crois. Attends. C'est un peu dommage qu'elle bloque, j'aimerais bien qu'elle avance un peu. Voilà, on met tout ça. Au pire, j'ai recherché. Décidément, cette... Elle consomme un max de charbon. Elle m'aura bouffé tout mon charbon. On va la vider. Tiens, cadeau. Voilà, elle va repartir. Ok. Alors, du coup, voilà, on la laisse repartir. J'ai également vu qu'on pouvait faire, c'est un dimensional anchor qui permet que même si on quitte, peu importe où on se trouve sur la map, ça permet de laisser les chunks chargés. Par exemple, vous avez un minage automatique et vous voulez pas qu'il s'arrête quand vous vous déconnectez, ben, il suffit de mettre une espèce d'encre en fait qui permet de laisser le truc en fonctionnement. Donc je me demande si c'est pas lié à ça. Alors on m'a dit qu'au niveau du spawn ça restait chargé. Donc c'est à voir. Alors du coup il me fallait deux trucs en cuivre. Comment on fait les trucs en cuivre? Je me rappelle plus. Donc Steam Dynamo, Copper Gear. Ah oui, il faut un iron au milieu. Mais je n'ai pas pris l'iron. Ok. C'est pas grave. On va prendre un bloc de fer. Vous voyez que le fer il y en a quand même une certaine quantité maintenant. Donc, hop.
on met un fer au milieu. On avait dit donc deux trucs comme ça. Ensuite il me fallait ça. Non, ça c'est de l'or au milieu je crois. Voilà. Et l'autre truc, je sais plus. Il faut les minerais de cuivre. Donc il y avait la redstone réception, les roues et une redstone. Ok, bah j'ai tout normalement, non? Apparemment non. Ah non, c'est pas les mêmes câbles. Redstone transmission. Ah ok, ça avait... Ah, du silver. J'ai pas fait fondre. Le silver, j'en ai. Hein. Ouais, silver or. Bah je vais en faire fondre un, hein, ça va plus vite. Alors pourquoi je le mets là-dedans? Tout simplement parce que ça double le... En gros, avec un minerai, j'aurai deux lingots. D'ailleurs, on va modifier ça. Ah, je vois qu'on s'est servi de mon truc. Bon, c'est pas ce qui est pas un mal en soi. Hein. Non, il faudra que je pense à recycler ça. Je voulais essayer de recycler cela parce que j'ai appris qu'on pouvait le faire. Au lieu d'utiliser de l'or, on pouvait le faire avec de l'aluminium brass qui est ici. Voilà. Et en fait, à la base, c'est comme ça qu'il faut le faire. Moi, je savais pas. Du coup, j'ai pas fait. Ça, on va le mettre ici pour éviter que ça aille dans le coffre. Et puis voilà, j'ai fait mon petit récap sur. Je peux te prendre une émeraude et 3 d'or. Oui, vas-y. Voilà. Une émeraude dans le nez. Je vais faire cuire dans. Netherrack. Alors du coup c'est bon? Non c'est pas bon encore. Du coup moi je vais vous laisser pour ce petit VOD. Je vais continuer le live de toute façon jusqu'à 23h. C'était pour faire un petit tour. Ah oui il y avait ça aussi, je ne l'ai pas montré. Là j'ai fait un petit un petit peu comme les. Comme on fait pour les cacao, un truc grimpant. Voilà, ça permet juste de maintenir un peu les baies. Donc ça me donne, c'est ce qui me permet d'avoir le jus de truc, vous voyez que j'en ai énormément. Et ça, les 35, j'ai juste fait un petit tour comme ça, et encore il y en avait deux fois moins. En tout cas, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Donc, je vais voir si je mets cette VOD sur YouTube. Ce sera un petit récap de ce qui a été fait en 20 petites minutes. Et puis, nous, on se retrouvera donc pour... un prochain épisode où j'irai, je vous montrerai un petit peu plus loin où on en sera avancé et donc